la Skate Banana 2018. Donc c'est une board phare dans la gamme de chez Liptek, hein, la Skate Banana, elle existe depuis 11 ans, on vient de fêter son 10e anniversaire cette année, donc l'année prochaine sera sa 11e, avec un tout petit redesign du shape, ils ont mis un nose et un tail un tout petit peu plus pointu. Ça c'est vraiment juste esthétique, c'est pour lui donner un petit coup de jaune, parce que c'est dans la tendance, mais la board n'a pas changé en termes de caractéristiques, c'est toujours une board plutôt orientée facile, facilité, maniabilité, la board pas prise de tête à rider en toutes conditions, que la neige soit un peu molle comme aujourd'hui ou de la neige plus dure ou même de la neige fraîche, vu qu'on a un camb inversé entre les pieds, c'est une planche qui aura plutôt une bonne sortie en poudreuse. En construction, donc c'est toujours la même particularité, on a un camb inversé entre les pieds, donc une banane entre les pieds et un cambre qui est plutôt plat sous les fixations, ce qui va lui donner un côté très pivotant, très maniable, mais en même temps un bon soutien. Elle a du pop, elle a de la tolérance, c'est facile à pivoter et ça se destinerait plutôt à un rider intermédiaire à confirmer qui veut une board vraiment facile, ludique en toutes circonstances, pas prise de tête, qui veuille faire un peu de part, qui de joueur de poudreuse sans problème et de la piste avant tout. Sachant que le camb inversé, on pourrait dire que ça manque un peu d'accroche chez eux, ils ont la particularité de mettre de la main traction sur les planches, donc c'est les quarts qui sont ondulés, ça donne plusieurs points d'accroche, donc sur neige dure, la board reste stable et saine quand on veut faire un appui un petit peu plus franc.